Bonsoir. Mon nom est Stéphane Aquin, je suis le directeur général du Musée des Beaux-Arts de Montréal et c'est un grand honneur, un plaisir et une joie pour moi que de vous accueillir virtuellement ce soir à l'ouverture de l'exposition Riopelle à la rencontre des territoires nordiques et des cultures autochtones. Je dis virtuellement, mais je sais déjà que nous sommes plus de 2000, vous êtes plus de 2000 avec nous ce soir. Sur Zoom et sur Facebook Live, donc c'est assez formidable d'être ici ensemble pour l'ouverture de cette extraordinaire exposition. Vous savez que le Musée des Beaux-Arts a, avec l'œuvre de Riopelle, une relation qui remonte à loin. La première œuvre acquise par le musée, c'était en 1963 et c'était Autriche 3, une œuvre de 1954, une très belle œuvre. Et cela faisait de nous, le Musée des Beaux-Arts, le premier musée canadien à acquérir une œuvre de l'artiste. Et puis, il y a eu une succession de grandes expositions. L'exposition Riopelle de 1991 pour l'ouverture du pavillon Jean-Noël Desmarais. Et je dirais personnellement que je m'en rappelle puisque j'étais le chargé de projet de cette exposition dont le commissaire était Jean-Louis Prat de la Fondation MAG. C'était un grand événement et je me rappelle de la présence de Riopelle à l'événement et on n'aurait pas pu penser à un autre artiste pour inaugurer ce pavillon magnifique. Et puis il y a eu la rétrospective de 2002. Qui avait été organisée dès l'an 2000, mais qui a ouvert en juin 2002, trois mois après le décès de l'artiste. Et ensuite, celle de 2006, qui a été vue à l'Ermitage, au musée de l'Ermitage, à Saint-Pétersbourg. Et puis celle du musée Cantini à Marseille en 2007. Pour ne rien dire qu'après Autriche, évidemment, nous avons continué d'acquérir des œuvres de Riopelle. Notre collection compte maintenant près de 400 œuvres, un corpus presque complet, sinon complet déjà. Permettez-moi, je me suis pas mis à jour de cette information, mais aussi des peintures, des sculptures, des eaux-fortes, des monotypes et des peintures remarquables. Donc après Autriche, on a acquis nombre d'œuvres qui maintenant sont des repères dans notre compréhension de l'œuvre de Riopelle. Alors les expositions qu'on avait faites, les dernières, étaient, si l'on veut, des accrochages rétrospectifs. Et je le dis sans peur d'offenser qui que ce soit, puisque c'est moi qui les avais faites. Mais ici, nous avons une exposition d'une richesse, d'une profondeur de vision extraordinaire. Et je le dis en connaissance de cause, puisque je connais un peu l'œuvre de cet artiste. Et les trois commissaires avec nous ce soir, donc Isolde Riopelle, la fille de l'artiste, qui personne ne connaît mieux l'œuvre de Riopelle qu'elle, Andréane Roy, historienne d'art, et Jacques Desrochers, conservateur de l'art québécois et canadien avant 1945 au musée, ont mis sur pied un itinéraire, une lecture de l'œuvre de Riopelle qui va du début à la fin et qui suit un filon fondamental qui est la présence justement des cultures autochtones, ce dialogue qu'il a eu avec les cultures autochtones depuis les années 40 jusqu'à sa fin et aussi avec la nordicité, ce qui nous définit. Et preuve que l'œuvre de Riopelle est une œuvre d'une grande richesse, c'est qu'elle soutient ses lectures. On sait qu'il y a eu Mitchell Riopelle, une autre exposition qui a regardé son œuvre sous un autre angle. Celle-ci nous permet de tracer un filon à travers cette œuvre qui est significatif et qui nous l'éclaire sous un jour nouveau. J'aimerais aussi souligner que cette exposition a eu pour idée originale, en fait, une idée de Isolde Riopelle en 2003. Et je veux souligner cette date parce qu'aujourd'hui, nous parlons plus que jamais de ce rapprochement avec les cultures autochtones, de cette reconnaissance du fait qu'elles font partie intégrante de notre identité. Ce serait facile d'arriver avec une idée comme ça aujourd'hui. Eh bien non, ça fait presque 20 ans que l'idée germe et qu'elle a pris différentes formes au fil des années. Et d'ailleurs, je remercie Nathalie Bondil de l'avoir inscrite dans la programmation du musée et je récolte le privilège extraordinaire de l'ouvrir ce soir avec vous. Et je souligne aussi par ailleurs qu'il y a plus de 20 œuvres de notre collection qui sont dans cette exposition.
Une exposition de cette envergure a besoin de beaucoup de soutien et j'aimerais remercier tous nos partenaires qui nous ont permis de la réaliser. Et permettez-moi d'ouvrir une petite parenthèse. L'exposition, comme vous le savez, les musées sont fermés jusqu'au 11 janvier. L'exposition est prolongée jusqu'au mois de mai. Nous vous attendons. Nous avons bon espoir que vous pourrez la voir en présentiel. Je pense que c'est le mot qu'on utilise maintenant. Je remercie d'abord Hydro-Québec, présentateur de l'exposition, avec qui nous avons une amitié et une relation pérenne qui dure depuis longtemps. Merci du fond du cœur. The Odin Foundation for their generous contribution and the loan of some major works from their collection. Merci aussi au gouvernement du Canada pour son apport financier ainsi qu'au ministère du patrimoine canadien pour son appui par le biais du programme d'indemnisation pour les expositions itinérantes au Canada. I would also like to thank our generous partners, Hatch, who have supported also our circle of young patrons, le Cercle des Jeunes Philanthropes, ainsi que la Fondation Jean-Paul Riopel and the Heffel Fine Arts Auction Foundation. Merci aussi à Tourisme Montréal, à RBC, qui est un fidèle partenaire et qui a largement contribué à notre récente rencontre virtuelle. Merci encore aussi au Cercle des Anges du Musée des Beaux-Arts de Montréal et à notre partenaire média officiel, La Presse. Je souhaite aussi souligner l'apport essentiel de nos commanditaires officiels, Air Canada, qui nous ont permis d'avoir ces œuvres ici, puisque plusieurs viennent d'ailleurs au Canada, et Peinture de Nantes, ainsi que de nos partenaires médias Bell et Montreal Gazette. En terminant, j'aimerais exprimer notre profonde gratitude au ministère de la Culture et des Communications du Québec, au Conseil des Arts du Canada et au Conseil des Arts de Montréal pour leur soutien financier. Et enfin, merci à tous et à toutes pour votre soutien au musée. Nous comptons sur vous, nous travaillons pour vous, nous sommes heureux que vous soyez là avec nous ce soir, même virtuellement. Et maintenant, assez, je vais passer la parole à Mary Daly Desmarais, notre directrice de la conservation, un chief curator, qui va vous présenter les conservateurs et faire le tour de toutes sortes de questions. Merci. Alors, merci beaucoup Stéphane et merci à vous tous d'être avec nous ce soir, même si c'est en mode virtuel. Nous sommes vraiment ravis d'être avec vous et de présenter cette exposition Riopel à la rencontre des territoires nordiques et des cultures autochtones. Jean-Paul Riopel est connu comme l'un des artistes les plus importants et prolifiques du XXe siècle. Cette exposition est conçue, organisée et mise en tournée par le Musée des Beaux-Arts et elle porte un regard vraiment inédit sur la démarche de ce peintre-sculpture et sur l'influence prégnante de la nordicité et de l'autochtonie sur son œuvre. Comme vous allez voir, l'exposition jette un nouvel éclairage sur sa production des années 50 et 70, en retraçant les voyages qui ont nourri son intérêt pour les territoires du Nord et des communautés autochtones d'Amérique du Nord. Cet imaginaire du Nord, this kind of northern imaginary, if you will, that fueled Riopel's artistic practice is really explored here in depth for the very first time through a wide-ranging, but also I would say really thoughtful selection of artworks and new archival materials, including letters, documents, books, photographs, and films that help us to better contextualize Riopel's practice. L'exposition réunit près de 110 peintures, sculptures et œuvres sur papier de l'artiste et une trentaine d'œuvres d'artistes autochtones qui sont issues de la collection de MBAM et d'une trentaine de collections institutionnelles et particulières du Canada, des États-Unis et de France. Riopel s'étant intéressé aussi à des cultures vivantes, des œuvres d'artistes autochtones contemporains sont également intégrés afin de témoigner de la vitalité de leur production culturelle. Pour ce faire, les trois commissaires à côté de moi ont mis à contribution des artistes
contemporains et des auteurs autochtones. J'espère que vous allez tous avoir l'occasion de voir l'exposition en personne dès que le confinement le permet. J'aimerais vous dire que dans l'attente des réouvertures des musées québécois, le MBM offrira sur son site web l'accès gratuit à l'édition virtuelle de l'exposition du 1er décembre au 11 janvier. Il s'agit d'une conception en 3D faite par un Gaspésie virtuel. Et nous suivons avec attention les prochaines annonces gouvernementales quant à réouverture des musées au public. I'll repeat in English. We are very happy to announce that everybody will have free access to the virtual edition of the exhibition starting on December 1st and running just until January 11th while we are waiting for the new announcements from the government regarding the reopening of museums in Quebec. Je suis aussi très heureuse de vous annoncer qu'après sa présentation à Montréal, l'exposition sera présentée au Dane Museum in Whistler et puis au Glenbow Museum de Calgary. Avant de laisser la place à nos chers invités, je vais vous donner quelques indications sur le déroulement de l'événement. Dans quelques minutes, j'aurai le plaisir de m'entretenir avec les trois commissaires de l'exposition. À ma gauche, Isolde Riopel, auteur et éditrice du catalogue raisonné de Riopel et fille aînée de l'artiste. Au centre, il y a Andréane Roy, historienne de l'art. Et ensuite, Jacques Desrochers, qui est commissaire de l'art canadien et québécois avant 1945, ici au musée. Merci beaucoup de votre présence ce soir. Durant la présentation, vous allez tous avoir la chance de poser vos questions en utilisant la fonction Q&A en bas de votre écran. Et à la fin de la discussion, les commissaires vous accorderont un moment pour répondre à quelques-uns de vos questions. Exceptionally, this conversation will take place in French, but please be at ease to pose your questions in English, and we will happily respond at the end of the discussion. And so with that, let's get started. Débutons sans plus tarder. Merci. Alors, d'abord, Isolde, Andréane et Jacques, une énorme merci et aussi toutes mes félicitations pour ce projet qui est vraiment si bien recherché, très émouvant à regarder et vraiment juste un travail vraiment magnifique. Donc, félicitations et merci. Parlons un peu de la genèse de ce projet. Peut-être, Andréane, tu peux commencer, et ensuite Isolde. Oui, avec plaisir. Merci, Mary. Donc, il y a un premier projet d'exposition qui est né en 2016, qui au départ portait sur la figure de Champlain-Charest et sa collection. Le musée souhaitait rendre hommage aux collectionneurs d'ici, aux mécènes, et Champlain-Charest est une figure tout à fait intéressante, entre autres puisque ça a été le grand ami de Riopel. Les deux hommes se sont rencontrés en 1968, et à partir de là, ils ont effectué de très nombreux voyages en territoire boréal, mais aussi dans le Grand Nord québécois et canadiens. Donc, au départ, nos recherches ont débuté sur ce thème, ce qui nous a amené à découvrir toute l'importance de la nordicité dans le travail de Riopel et l'importance des voyages. Et ces découvertes, pour nous, étaient extrêmement stimulantes. On a donc décidé d'ouvrir la thématique pour présenter un peu plus largement cette influence du Nord avec des collections, la collection de Champlain-Charest, évidemment, mais également d'autres collections particulières et institutionnelles. À ce moment-là, où la thématique s'est réorientée sur la nordicité, on savait déjà que Isolde Riopel travaillait sur un projet depuis 2003 qui s'appelait Riopel Nordicité et Inspiration. Et dans le cadre de ses recherches, Isolde avait fait certaines découvertes qui étaient tout à fait fondamentales. Donc, on a pu joindre le résultat de nos recherches respectives et concevoir un projet qui se voulait de plus grande envergure. Donc, on était maintenant trois commissaires travaillant sur la nordicité et l'aspect autochtonie s'est ensuite greffé au projet, puisque, comme tu le disais, Mary, Riopel s'est intéressé à des cultures vivantes. Donc, on a intégré à la fois des œuvres historiques, mais aussi des œuvres contemporaines d'artistes autochtones.
Super, merci beaucoup. Isolde, est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose? Parce que vous avez fait un travail vraiment herculéen au niveau de toutes vos recherches et dans les archives et tout. Est-ce que vous aimeriez parler un peu de ça? Un travail absolument passionnant qui a évolué doucement, surtout des recherches dans les bibliothèques, surtout à Paris en particulier, et qui a évolué... et qui pourrait encore évoluer. Merci. Vous avez mentionné Paris, une ville très importante pour votre père. Je pense, si je ne me trompe pas, c'était autour de 47 qui s'est installé pour y faire carrière. Et c'est là aussi où il rencontre des artistes appartenant, et des artistes et les collectionneurs d'art autochtones appartenant au cercle des surréalistes. Je pense par exemple à André Breton, mais aussi aux collectionneurs et critiques d'art Georges Dutuy. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce lien d'amitié entre votre père et monsieur Dutuy? Absolument, mais je peux vous en parler avec mes yeux de petite fille. Très bien. Et donc Marguerite et Georges et Claude aussi, leur fils, c'était un peu comme une famille, c'était un peu comme nos grands-parents. Et on allait chez eux, donc à l'atelier, au studio, rue de l'université, chez Georges, dans son bureau, qui était rempli de masques et de masques des cultures autochtones et des masques inuits. Et voilà. Et il nous a prêté de ces masques que nous avons exposés, que nous avions à la maison, donc. Et on a vécu dans cette ambiance-là. Donc, de les retrouver dans les salles, pour moi, c'est comme retourner dans mon enfance. Wow. Ouais, c'est incroyable, ça devait être vraiment une expérience tout à fait magique, je dirais, d'agrandir entouré de ces objets. Vous m'avez même raconté une histoire avec le fils de monsieur Dutuy. Peut-être vous pouvez nous raconter cette histoire. Oui, avec Claude qui disait qu'il y avait une énorme place cérémonielle avec un animal, et il disait que ça lui avait servi de berceau quand il était petit, mais bon, j'ai des doutes, je pense que c'était pour imager un peu la chose. Oui, mais quand même une belle histoire. Oui, une belle histoire. Jacques, peut-être tu veux ajouter quelque chose, parce que je sais que tu as fait beaucoup de recherches sur monsieur Dutuy aussi. En fait, ce qui est absolument fascinant, c'est d'autres recherches que Isolde a pu mener à Paris. Dans tout le processus de ses recherches, en fait, une tout à fait inédite, c'est celle de photographies de la collection de Dutuy qui ont été prises à l'époque dans les années 40 et qui se sont retrouvées dans ta famille, Isolde, et qui ont été utilisées par Dutuy dès les années 40, en 46 en fait. Il y a des photographies qui ont été prises par Brassailles, qui ont illustré une publication pour la revue Labyrinthe, dont le titre s'appelait Le Don Indien. Alors, des photographies en partie utilisées pour cette publication-là, mais un lot beaucoup plus important qui nous présente plus largement la collection Dutuy, et dont Riopel s'est servi tardivement dans le corpus d'œuvres qu'on présente dans les années 60, en 77, mais qui, avec d'autres recherches que Isolde a menées dans le fonds Dutuy à la Bibliothèque Kandinsky, dans le fonds June Mitchell à New York, avec des tapuscrits que Dutuy avait compulsés en vue d'une publication en lien avec d'autres découvertes qu'on a fait plus récemment, de lettres inédites de Riopel à Marius Barbeau, un ethnologue canadien, nous permettait de faire avec la congruence de tous ces éléments-là, nous permettait de comprendre qu'une publication était prévue par Dutuy, que Riopel aurait illustré probablement entre 53 et 59, puisque
Il y a une publication, Aidamit de Barbeau de 53, qui a servi, en fait, que Dussuis a traduit et qui se trouvait effectivement dans le fond, dans le fond Mitchell. Alors, tous ces éléments-là qui sont tout à fait précieux et nouveaux, qui permettent de faire le lien avec Barbeau et qui permettent de témoigner de l'importance de la collection de Dutuis, même assez tardivement, jusque dans les années 70, dans la production de Riopelle. Merci beaucoup, Jacques. C'est vraiment passionnant. Parlons un peu plus de la nordicité dans le travail de Riopelle. C'est présent dans les années 50, mais encore plus affirmé dans les années 70 en raison de ses nombreux voyages dans le nord de Québec. Peut-être, Andréane, tu peux commencer à en parler, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Donc, dans les années 50, Riopelle est à Paris. La nordicité est très présente dans son œuvre. Entre autres, la nordicité canadienne. On retrouve certains titres qui font référence au territoire canadien ou encore au climat, avec des titres comme « Blizzard sylvestre »,« Lumière du Nord ». Par contre, de notre côté, on s'est essentiellement penché sur les voyages des années 70. Les années 70 qui sont une période extrêmement effervescente où Riopelle voyage en territoire boréal, mais également dans le Grand Nord. Donc, il y aura plusieurs voyages qui seront faits pour un grand nombre d'entre eux avec Champlain-Charest. Champlain-Charest possède un hydravion, ce qui va être très précieux pour Riopelle. Ça va, entre autres, lui permettre d'avoir des vues aériennes du territoire. Donc, ce qui aura un impact sur son œuvre. Riopelle va... en territoire boréal, visiter plusieurs clubs de chasse et de pêche pour voirie. Entre autres, lorsqu'il va au vieux poste de Mistassini, il va côtoyer des guides cris. Lorsqu'il va dans le Grand Nord, je pense entre autres à Panirtung, sur l'île de Baffin ou Nunavut, il va côtoyer un guide de pêche qui s'appelle Yako Kunilusi. Il va même se lier d'amitié avec ce guide de pêche-là. Donc, les voyages à Panirtung, il y en a eu plusieurs. Le premier date de 69, le deuxième de 71. Et ces deux premiers voyages-là ont été initiés par Théo Waddington, qui est un galeriste qui vendait de l'art inuit. Donc, Riopelle, au cours de son voyage, a pu non seulement contempler les paysages du Grand Nord, mais aussi entrer en contact fort probablement avec l'art inuit. Donc, on voit d'ailleurs à l'écran certaines œuvres de la série Iceberg, de retour de voyage à Panirtung en 77. Riopelle va réaliser cette série où il utilise vraiment une économie de moyens chromatiques, essentiellement l'usage du noir et du blanc, qui lui permet malgré tout de représenter toutes les nuances du paysage nordique. Et c'est ce qui est intéressant également, c'est que Riopelle, avec cette série-là, produit sa dernière grande série à l'huile, puisque par la suite, il va changer de médium pour utiliser surtout l'acrylique, la peinture à aérosol, etc. Donc, pour les voyages de Riopelle, on a eu évidemment la chance de pouvoir discuter avec Champlain-Charest, qui était de plusieurs de ces voyages-là. On a pu en apprendre beaucoup. Et on a même une lecture assez intéressante de Champlain-Charest pour qui nous disait que Riopelle partait toujours d'un point de départ. C'est souvent la nature, comme on l'a souvent affirmé dans la littérature. Pour Champlain-Charest, et j'utilise ces termes ici, il nous disait que Riopelle soit minifiait ou magnifiait la nature. Donc, on pourrait dire qu'il nous en offre soit des visions microscopiques ou des visions macroscopiques. Donc, les voyages ont vraiment eu une influence marquante. Peut-être qu'Isaut voudrait ajouter quelques éléments de réponse sur les voyages de son père et leur influence. Oui, mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que les voyages duraient quand même très peu de temps, c'est-à-dire qu'ils partaient une ou deux semaines. Bon, il l'a fait à travers les années, mais bon, ça l'a vraiment habité tout au long de sa carrière. Ça allait bien au-delà des voyages. Donc, le rêve continuait, si on veut. Mm-hmm. C'est vraiment intéressant que les voyages, comme vous avez dit, des cours de une ou deux semaines, mais on voit l'impact vraiment profond sur son travail quand on passe dans les salles de l'exposition. Je pense par exemple à Icebergs, le tableau que vous avez mentionné plus tôt.
plutôt aujourd'hui. L'impact est réel, c'est ça que je veux dire. Je voulais retourner à les découvertes que vous avez faites ensemble, parce que c'est vraiment incroyable toutes les recherches que vous avez faites. Peut-être, Jacques, tu peux nous parler un peu plus sur les découvertes que vous avez faites par rapport à les sources de Riopelle. Oui, en fait, on connaît bien Riopelle, homme de nature. Ce qu'on connaît un petit peu moins et ce qui est une des spécificités de l'exposition, c'est vraiment Riopelle, homme de culture. Alors, on a rassemblé effectivement un nombre considérable de sources qui témoignent autant de ses lectures. Riopelle va lire un nombre considérable d'ouvrages d'anthropologues, d'ethnologues, et il va visiter également des expositions significatives dans les années 50, 60, 70 à Paris, en particulier au Musée de l'Homme, au Musée Guimet, au Centre culturel canadien, etc. Et on peut penser, par exemple, déjà dans ses premières, la série de gouaches qu'on présente ici au musée, les gouaches esquimaux, les gouaches Gistsan. On sait que, justement, l'artiste va visiter l'exposition Le Masque en 59 au Musée Guimet, où on retrouve plusieurs des œuvres de ses amis surréalistes, Isabelle Wahlberg, Robert Lebel, André Breton, Georges Dutuy, évidemment. Cette série-là, si on pense par exemple à l'œuvre, à la série associée au Gitsan, on revient à nouveau à Barbeau, qui est une espèce de découverte au sein de notre projet. C'est que Barbeau va être connu, en fait, une des figures finalement francophones issues du Québec, qui sera connue à Paris dès les années 30 et qui a publié différents ouvrages comme The Downtown of Damlan, Temlan en 1928, un autre ouvrage sur les totems Gitsan en 1929. Et ce sont des sources que Riopelle a vraisemblablement consulté et qui nous indique par l'usage de la communauté Gitsan, qui était assez peu connue autrement que par les publications de Marius Barbeau elle-même, de l'importance finalement de ces premières sources pour les années 50. Mais si on poursuit avec les années 70, bon, on est déjà rendu ici avec des sources plus de la fin du milieu des années 70, mais vous aurez vu un peu plus tôt Les Ficelles, où on voit l'influence par exemple de Guy-Marie Rousselière avec sa publication sur Les Ficelles. Il y a différentes sources qui sont associées à sa série Des Rois de Tulé. On a par exemple la publication de Jean Mallory, dont on sait qu'il a lu, Iseute nous l'a très spécialement le savait. Nous l'a très clairement indiqué, mais il y a plusieurs autres sources très significative en lien avec la série des Rois de Tulé. On pense par exemple à une publication qui a réellement eu lieu d'une collaboration de Dutuy avec Matisse qui s'appelle Une fête en Cimérie, où Matisse a eu la commande d'une vingtaine de lithographies qui sont dans l'exposition et que Riopelle a forcément connu, puisque de toute façon, il les a commentés dans une exposition avec Pierre Schneider au Centre culturel à Paris dans les années 70. Bon, par la suite, pour le lien plutôt avec beaucoup d'autres œuvres autochtones, plus spécifiquement de la côte du Nord-Ouest, il ne faut absolument pas négliger la publication La Voix des Masques de 1975 avec Lévi-Strauss, ou même une publication majeure des années 50, une des premières sur la côte du Nord-Ouest par Robert Bruce, Une Vérarité. Alors, ces publications-là, Riopelle s'est inspiré des photographies qui s'y trouvaient. Il les a sélectionnés à sa guise, si on peut dire. Et nous, dans le projet, en plus de l'intérêt d'avoir retracé ces sources, de les mettre en perspective, on a voulu très clairement, pour rendre hommage aux cultures autochtones, aller chercher même les œuvres originales que Riopelle a vues illustrées dans les publications. Dans l'exposition, vous verrez plusieurs œuvres autochtones
très significative en lien avec ces sources. Super, merci beaucoup. J'aimerais juste faire un petit suivi et vous demander quel était vraiment le processus pour vous, parce que vous avez découvert ces sources, mais est-ce que c'était en lisant que vous voyez des photographies qui vous fait penser tout de suite à un tableau? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ce processus de découverte? Bien, on peut peut-être dire d'emblée qu'évidemment, normalement, une source secondaire indique ses sources. Alors, oui. C'est préférable. C'est sûr que plus on remonte dans le temps, des fois, les informations sont imprécises. Alors, il a fallu rectifier, retracer les véritables institutions où se trouvaient les œuvres. Mais en gros, normalement, évidemment, les sources secondaires indiquent où se trouvent les œuvres. Quand c'est dans une collection particulière, bien, il faut faire le fil de l'histoire du déplacement des œuvres, mais en gros, pour les œuvres, c'est un peu la manière dont normalement on procède. Après ça, il faut obtenir l'aval des institutions et des particuliers de nous les offrir en prêt. Merci. En plus de ces découvertes au niveau de sources de Riopelle, j'aimerais quand même souligner quelques découvertes pour notre public au niveau des œuvres présentées dans l'exposition. L'exposition regroupe 160 œuvres, dont 110 tableaux de peinture de Riopelle. Et parmi eux, il y a plusieurs tableaux qui n'ont jamais été présentés au Québec avant cette exposition. Donc, je pense notamment à ce magnifique tableau monumental derrière nous. Peut-être, Isolde, vous pouvez nous en parler un peu plus de Point de rencontre. Point de rencontre qui vient de la traduction de Toronto, qui veut dire en langue huronne point de rencontre. Donc, ce tableau, je l'ai vu se créer, si on peut dire. Étonnamment, c'était une commande pour l'aéroport de Toronto et ça, Jean-Paul y a pensé pendant 2 ans. Ça n'a pas du tout été spontané, c'était une commande, donc déjà ça l'inquiétait beaucoup, donc il y a pensé pendant 2 ans pour finalement le faire en 24 heures. Donc, incroyable. Voilà. Et si je ne me trompe pas, c'est la seule commission que votre père a fait, n'est-ce pas? Oui, je pense que la commission, c'était trop douloureux pour lui. Mais c'est quand même incroyable qu'il a fait ce tableau dans 24 heures. Mais c'est vrai que même si c'était la durée de production, comme vous avez dit, il est pensé pendant deux ans avant. Oui. Il y a d'autres œuvres inédites dans l'exposition. Je pense à la fontaine de Riopelle. Peut-être, Andréane, tu peux nous en parler un peu plus, s'il te plaît. Oui, pardon, avec plaisir. Donc, l'œuvre La Fontaine est tout à fait fascinante puisqu'elle condense un ensemble de motifs nordiques qui vont marquer les années 70. En fait, l'œuvre a été réalisée sur une longue période de temps. Elle a d'abord été débutée en 1964 par la réutilisation de chapes de plâtre qui avaient été réalisées pour couler des sculptures en bronze précédentes. Donc, l'artiste récupère les chapes, les assemble et un peu plus tard, en 71-72, va polychromer des motifs de ficelle au même moment où il réalise la série d'acrylique Les Jeux de ficelle, et il va ensuite nouer les différentes composantes avec un ensemble de cordages qui peut également faire référence à cette pratique des Jeux de ficelle dans le monde inuit. Un peu plus tard, en 77, Riopelle va coiffer la sculpture de deux hiboux en plâtre, donc qui avait été réalisé dans les années 70, au début des années 70, alors qu'il réalise sa série des hiboux. Donc la sculpture, au départ, a été conçue à l'atelier de Meudon, pour ensuite être terminée à l'atelier de Saint-Cyr-en-Artie, en banlieue parisienne. Et l'œuvre y est restée jusqu'en 96. En 96, elle a été déménagée au Québec dans l'atelier de l'Estérel, dans les Laurentides. Elle y est restée jusqu'à aujourd'hui. Donc, on est très heureux de la présenter au public, d'autant plus qu'elle a fait l'objet d'une grande restauration qui a duré plusieurs semaines, qui a demandé le travail de toute une équipe de restaurateurs ici au musée. Donc, on a une œuvre qui a retrouvé sa fraîcheur d'antan grâce à leur travail. Incroyable.
incroyable, merci. L'exposition intègre aussi des créations des artistes autochtones actuels. Peut-être Jacques, tu peux nous en parler, tu peux parler de quelques exemples. Oui, pour nous, c'était tout à fait important d'introduire, comme ça a été introduit tout à l'heure, des œuvres d'artistes actuels. C'était important de le faire en écho aux œuvres historiques. Alors, on a quand même voulu cibler des œuvres qui allaient enrichir le discours. Et c'est comme ça, par exemple, que... Vous ne la voyez peut-être pas en ce moment, mais par exemple, je peux peut-être vous dire qu'en fait, dans la section sur les ficelles, on a introduit des œuvres d'artistes inuits qui nous présentent la tradition de la ficelle, mm-hmm. de manière peut-être plus conventionnelle. On a aussi des œuvres de Poudlo Poudlat qui est un des premiers artistes inuits à introduire la modernité dans ses dessins, ses estampes. On voit un avion donc qui est en écho à une œuvre qui présente une œuvre de Riopel, une lithographie qui nous présente l'hydravion de Champlain Charest avec lequel Riopel va avoir cet aperçu du territoire. Mais par la suite, je vous dirais qu'il y a des œuvres plus d'artistes reconnus sur la scène internationale plus récents. Malheureusement, il y en a un, Beau Dick, qui nous a quittés, qui est mort tout récemment, mais qui était une figure majeure au sein de sa communauté comme je l'ai souligné également au sein de la communauté internationale. On a choisi deux œuvres, en fait, pour la première et la dernière salle, puisque ces salles-là fonctionnent un petit peu, l'exposition est un peu circulaire, et vous avez dans la première et la dernière salle des œuvres autochtones et des éléments de projet associés à l'importance de Dussuy qui se répondent. Donc, le Beau Dick dans la première salle, lui, c'est une découverte qu'on a faite qui est tout à fait fascinante. On ne pensait pas qu'elle existait. Beau Dick est un artiste Kwakwaka'wakw, mais qui s'est intéressé aussi aux communautés un peu plus du nord de l'Alaska, par exemple au Yupit, dont on a aussi plusieurs œuvres historiques dans cette première salle. Et celle-ci répond très spécifiquement à une œuvre qui a été collectionnée par un surréaliste dans le contexte de la Deuxième Guerre mondiale à New York, une œuvre d'Enrico Donati. On voit très bien les parenthèses entre les deux. On ne pouvait absolument pas avoir celle de Donati, mais celle-ci est extraordinairement éloquente du fait d'être contemporaine, d'être reprise dans la tradition culturelle des communautés de la côte du Nord-Ouest, par une figure aussi importante que Beau Dick. Et le tableau, en fait, l'œuvre est... Vous en avez une image en ce moment. L'œuvre est magistrale, est très, très, très imposante. Là, vous pourrez l'apprécier sur place. Parmi les autres œuvres qu'on a sélectionnées, il y a eu, en fait, une acquisition toute récente du musée, en fait, une œuvre acquise pour la collection du musée, de Dwayne Linklater, un cri de l'Ontario, qui, dans ce cas-ci, je vous raconte la petite histoire de l'œuvre parce qu'elle est assez fascinante, c'est qu'en fait, l'œuvre s'appelle « A Gift from Doreen ». Doreen, c'était une voisine de l'artiste à la réserve de Nipissing, dans le nord de l'Ontario, où Dwayne Linklater a habité. Elle lui avait demandé, suite à une tempête où son tipi s'était effondré, s'il pouvait l'aider à la replier, en fait, et tous les plis constitués ont formé un cadeau, en fait, puisque c'est Doreen elle-même qui a décidé d'offrir l'œuvre à ce moment-là à Dwayne Linklater. Et Dwayne l'a conservée pendant des années, et c'est décidé à faire une espèce de geste de réciprocité en réalisant une œuvre magistrale. Vous en avez l'image ici en ce moment, qui déployé permet de lire toutes les traces, en fait, du tipi,
Mais pour ça, il faut le savoir, en fait, parce que ce que vous voyez, c'est comme une grande bâche très contemporaine, une installation de la stature des œuvres qu'on connaît de cet artiste. L'œuvre est installée à côté de Point de rencontre, parce que pour nous, c'était très important, par la nature des deux œuvres, du processus de création, mais en même temps du point de rencontre entre les deux, de pouvoir offrir en haut du grand escalier ce geste de grande stature qui annonce l'exposition. Il y a une autre œuvre dont je pourrais vous parler peut-être pour clore cette portion de la question. C'est une œuvre de Alison Bremner. C'est une Tlingit de la côte du Nord-Ouest. Dans ce cas-ci, c'est beaucoup plus modeste comme format, mais tout aussi éloquent pour ses liens avec les œuvres qu'on présente dans l'exposition. C'est-à-dire que je vous parlais du Don indien, la publication de Georges Dutuy en 1946. Dans cette publication, on retrouve une photographie de Brassailles qui représente un bouclier de cuivre. Ici, vous avez un bouclier de cuivre contemporain. Dans celle de Brassailles, c'est un bouclier de cuivre où on voit la figure totémique du clan associé au bouclier. Les boucliers, il faut savoir que c'est pour les membres des communautés de la côte du Nord-Ouest, des éléments de richesse et de prestige. Alors, vous comprendrez bien que dans ce contexte-ci, l'introduction de cette commande de l'artiste pour l'exposition, c'était de s'assurer un regard critique, vraiment, de l'artiste face à la spoliation, en fait, toutes les spoliations qui ont eu lieu d'œuvres autochtones, très tôt dans l'histoire du Canada, malheureusement, et qui sont associées à l'interdiction des potlatches, et qui par cette œuvre, en fait, nous répondent et nous ramènent aux enjeux actuels de réappropriation des Autochtones, de leur culture. Mais ça a été dit à un moment donné, il faut le souligner à nouveau, cette exposition-ci, sa principale volonté, c'est un dialogue entre les cultures. Et je crois qu'on y arrive bien. Et ben, voilà. Merci Jacques, et merci à vous tous. Je peux vous écouter pendant des heures, c'est vraiment très intéressant, mais je veux aussi laisser la place à notre public, les personnes qui sont avec nous ce soir. Mais avant de le faire, j'aimerais qu'on parle un peu de ce magnifique catalogue qui est très très intéressant, qui a été créé sous votre direction conjointe avec l'agence Paprika. Peut-être, Andréane, tu peux nous parler un peu de contenu du catalogue, s'il te plaît. Oui, donc ça a été un grand travail qui nous a occupés pendant des années. Au départ de la conception du catalogue, c'était évidemment de constituer une table des matières, choisir les sujets, choisir les auteurs. Donc on a fait plusieurs recherches pour trouver les bonnes personnes, des personnes qui sont capables de parler de Riopel, mais des personnes qui arrivent aussi avec leur propre champ d'expertise. Et c'était important pour nous de mêler l'histoire de l'art et l'anthropologie dans une démarche qui se voulait vraiment interdisciplinaire. Et l'une de nos premières volontés, c'était aussi d'inclure des voix autochtones. Mm-hmm. Donc, on a fait appel à plusieurs personnes. Je pense entre autres à Guy Siwi-Durand, qui est un Wendat, qui est un auteur, aussi un artiste, un commissaire, un sociologue de l'art. Et Guy nous offre un essai qui est tout à fait passionnant, où il présente la figure de Riopel comme étant, comme présentant une homologie avec l'attitude autochtone dans la découverte, dans la façon de vivre les territoires. Il parle de la démarche de Riopel comme étant, il parle de Riopel comme ayant un regard ensauvagé. Donc, c'est tout à fait pertinent de la part d'un... Notre objectif aussi, c'était d'avoir des auteurs qui étaient capables de poser aussi un regard critique sur Riopel de leur propre point de vue. On a fait appel aussi à Krista Zawadzki,
qui est une Inuk qui nous parle des jeux de ficelle. Et c'est tout à fait fascinant parce qu'elle nous présente l'importance des jeux de ficelle dans sa communauté, dans sa culture. Elle nous présente aussi les jeux de ficelle dans la littérature anthropologique, l'importance que les ficelles ont pris. Donc, l'apport de Christa est tout à fait unique de par son regard unique, oui, sur le sujet. On a également fait appel à Mary Kleist, qui est une Inuk du Groenland. C'est une archéologue de l'Arctique et elle nous a proposé une interprétation qui est tout à fait novatrice et pertinente, je pense, sur la série des Rois de Tulé. Son hypothèse est que Riopel aurait été inspirée par les pétroglyphes de Kayartalik dans le nord du Québec. Donc, elle part de son point de vue d'archéologue pour élargir l'interprétation de cette série, qui est une série qui condense un ensemble de motifs nordiques pour lesquels certaines sources étaient bien connues, mais elle nous amène une autre source potentielle qui vient enrichir la lecture de l'œuvre. Donc, on a plusieurs collaborateurs autochtones. On a également des collaborateurs allochtones qui ont participé au projet. Je pense entre autres à François-Marc Gagnon, qui malheureusement nous a quittés. C'était important pour nous de lui dédier l'ouvrage, non seulement dû à la générosité de sa collaboration dans le cadre du projet, mais aussi pour souligner l'apport de M. Gagnon à l'histoire de l'art canadien et à la connaissance de l'œuvre de Riopel. Merci beaucoup. Je trouve que c'est une très belle geste. À propos de catalogue, je vous propose d'écouter un de ses spécialistes, Guy Siouy-Durand, qui va nous parler de son texte pour le catalogue « Riopel parmi les Okwéanwé ». Ndio Kwéawéti, Ashkanaonéaïchès. Je viens de vous saluer, vous tous, et de vous dire que je suis vraiment très heureux de vous partager le fait que j'ai pris la plume pour écrire un essai dans la publication qui accompagne l'exposition. Ça s'intitule « Riopel parmi les Hongwe-Hongwe », qui est un mot iroquoien pour dire « parmi les vrais, parmi ceux et celles qui habitent les territoires ». Et toute la façon dont j'ai conçu mon essai, c'est essentiellement pour vous faire voyager et surtout pour montrer une proximité de culture ensauvagée de l'artiste visuel qui rejoint les valeurs et surtout les usages d'hier et d'aujourd'hui dans les territoires nordiques et parmi les Premières Nations. Merci beaucoup. Merci Guy pour ce vidéo et pour votre texte. Guy est d'ailleurs consultant pour une série de capsules qui s'appelle « Au regard d'un artiste autochtone » où les artistes de différentes nations et cultures et disciplines parlent des œuvres dans l'exposition. Merci. Guy encore. Il y a aussi des conférences et une table ronde virtuelle en lien avec l'exposition qui permet en parallèle d'aborder l'œuvre de Riopel et de discuter d'enjeux d'actualité. Arte Musica, en résidence au Musée des Beaux-Arts de Montréal, propose également à la salle Bourgie une série de rencontres entre la musique et les arts visuels. Donc, maintenant, je tourne vers vos questions et je vous remercie encore pour votre participation. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. Donc, je vais tout de suite prendre l'iPad. OK, question du public. Pendant le montage de l'exposition ou lors de la réception des œuvres, avez-vous rencontré certains imprévus ou encore des surprises qui ont changé votre conception de l'exposition, reliées à la pandémie, par exemple? En fait, on pourrait dire que comme c'est la première exposition au musée dans un contexte pandémique, en fait, tu te souviens, il y a eu Signac auparavant, mais Signac, les œuvres étaient déjà ici au musée. Dans ce contexte-ci, toutes les œuvres étaient n'était pas arrivé et la négociation des prêts
était évidemment amorcé, mais il a fallu s'assurer dans ce contexte-là que tout allait fonctionner. Il n'y a pas eu tant de surprises. On est fabuleusement content que dans un contexte si difficile sur le plan international, tous ou à peu près sérieusement ont continué à vouloir prêter leurs œuvres, d'aussi loin qu'elles viennent. Des restaurations ont pu se faire, comme le soulignait Andréane pour Point de rencontre. La restauration s'est faite quand même en France. Ils l'ont poursuivi dans le contexte. Et puis, on a, pour ce qui est de la scénographie, en fait, on y a retravaillé plus vers la fin, mais ça n'a pas du tout mis en jeu le concept, puisque la scénographie répondait plutôt au concept qu'on avait élaboré ensemble. Et ce concept, comme il était très serré, hein, Stéphane l'a souligné un peu, hein, il n'y avait pas beaucoup de modifications potentielles. Il n'y avait pas beaucoup de choses qu'on pouvait transformer dans le projet puisque tout fonctionnait assez bien ensemble dès le départ. Alors, on a maintenu ce sur quoi on s'était entendu pour l'ensemble de la mise en scène du projet. Je ne sais pas si ça répond à la question. Bon, à mon avis, oui. Merci. Alors, est-ce qu'il arrivait souvent que l'artiste réfléchissent aussi longtemps à une œuvre, comme pour la commande Point de rencontre, pour finalement la réaliser rapidement? Qui veut non, c'est la seule fois, je pense. La seule fois. Non, c'était quelqu'un de très spontané. Il faisait chaque tableau, il le faisait en une seule fois. Je veux dire, comme il disait, si je me recule, je m'arrête, quoi. Très bien, merci. Je peux vous dire aussi qu'en lisant beaucoup des journaux de différents artistes, je vois qu'il y a certains-uns qui, justement, je pense à Claude Monet, par exemple, qui réfléchissaient beaucoup et qui disaient que, justement, une partie du travail était cette réflexion mentale, même si l'œuvre ne prenait pas aussi longtemps que ça de produire actuellement. Donc, cette dynamique est très intéressante. Prochaine question. Dans le cas des très grandes œuvres, quelle était la façon de travailler de l'artiste? Toiles accrochées, panneaux. Je pense aussi à des tableaux comme Autriche. Ça dépend des périodes. En fait, il a eu très, très souvent des ateliers avec des mezzalines. Comme ça, il pouvait avoir un recul. Certains ateliers étaient assez petits, mais c'est toujours arrangé pour avoir une vue en plongée. Donc, certaines œuvres ont été faites sur le sol, mais il y a eu des moments où il a eu des chevalets qui se montaient, qui descendaient selon les étages. Donc, ça permettait de faire des très grandes œuvres en montant les chevalets. Intéressant. Mais il y a eu plusieurs techniques selon les ateliers qu'il a eus. Des poulies aussi, oui, j'imagine. Il a pu travailler à plat comme il a pu travailler sur chevalets. Intéressant. Et en panneaux multiples comme celle-ci qui est faite en cinq panneaux finalement. Est-ce que Riopelle avait des ancêtres lointains autochtones? On n'en a pas encore retracé. OK. Alors, j'aimerais qu'on demande à Isolde Riopelle, d'après elle, pour quelles raisons les œuvres de Riopelle sont devenues parmi les plus importantes au Québec et au Canada parmi tant d'autres artistes. Je ne pense pas que je puisse répondre à cette question. Peut-être, je sais que ça vous met dans une position difficile. Peut-être, Jacques ou Andréane, vous pouvez tenter de répondre. Mais en fait, Riopelle avait une stature internationale
en France dès les années 50. Alors, évidemment, on a regardé d'ici ce que nos artistes, la présence et l'importance qu'ils avaient, avaient certainement un écho sur ce qui va être apprécié par la suite au Canada. Oui, tout à fait. On pourrait. Il y a différentes façons de répondre à la question, dont une façon un peu plus sociologique. Jacques parlait de l'inscription de Riopel dans le milieu artistique parisien. Assez rapidement, Riopel va nouer des relations avec des gens d'influence comme André Breton, comme Georges Dutuy. Ce sont des gens qui vont écrire sur son travail. Ce sont des gens aussi. Il va rencontrer des galeristes assez rapidement. Pierre Matisse. Pierre Loeb, qui vont permettre à Riopel de présenter son travail sur la scène parisienne et ensuite sur la scène internationale. Je pense entre autres à son association avec Pierre Matisse dès les années 50. Donc c'est par un réseau, évidemment par la qualité de son travail qui s'inscrivait très bien dans son époque, tout en présentant une démarche qui lui était personnelle, mais c'est aussi cette façon de s'inscrire dans son milieu qui a permis à Riopel d'émerger sur la scène internationale. Puis c'est intéressant aussi de réaliser que comme nous on s'est autant intéressé aux surréalistes, il me semble que c'est une des premières expositions qu'il a vraiment mis sur la sellette où justement Pierre Loeb s'est mis à apprécier ses œuvres. C'est une exposition où il a présenté ses œuvres avec Isabelle Valberg, oui, qui est une du groupe autour des surréalistes qui ont acquis des œuvres d'artistes autochtones Yupik ou de la côte du Nord-Ouest à New York dans les années 40. Alors c'est tout un petit groupe qui s'est soutenu. Puis Isabelle Valberg a eu un rôle important à ce moment-là pour la suite. On a une belle citation de Isabelle Valberg dans l'exposition par ailleurs. Et on a mis l'accent d'ailleurs, je vous parlais tout à l'heure de l'exposition Le Masque au musée Guimet. Mm-hmm. Alors le catalogue qui est dans l'exposition est ouvert sur un masque Yupik de la collection d'Isabelle Valberg. Merci. Alors je reçois le message, dernière question, point d'exclamation. Donc lorsque le célèbre artiste Kowakawak Bodik s'inspire des masques Yupik, est-il question d'appropriation culturelle? Sinon, pourquoi et comment? Question facile pour terminer. C'est assez fascinant comme question parce qu'en fait, nous, on était un peu contents, d'une certaine façon, de présenter cette première œuvre contemporaine pour le public dans la première salle, pour les raisons que j'ai nommées tout à l'heure, la pertinence du lien avec une œuvre acquise par les surréalistes. Il faut faire attention, les artistes autochtones, ils ne vivent pas en vase clos. Bodik, c'est quelqu'un dont on sait, les historiens de l'art qui ont écrit sur eux, les critiques d'art qui ont écrit, pardon, pas sur eux, sur lui, savent par exemple qu'il s'est inspiré du baroque italien, qu'il s'est inspiré des mangas japonais, mais qu'il s'est également inspiré d'autres communautés autochtones, comme l'exemple qu'on donne, qu'on présente dans l'exposition. Alors, appropriation culturelle, c'est un artiste avisé, instruit, comme la très grande majorité des artistes autochtones actuels, qui puisent aussi à d'autres sources. Et dans ce cas-là, c'était intéressant de voir qu'il s'intéressait, comme nous, à un masque Yupik historique. Mm-hmm. Mais la question de l'appropriation culturelle, elle est en ce moment, c'est un grand enjeu, c'est ouvert. C'est ouvert, mais je pensais que c'était intéressant de l'ouvrir, nous, avec un autochtone qui s'appropriait lui-même, oui, le langage d'une communauté proche, finalement relativement proche de lui, hein, de la côte nord-ouest, mais au nord. Et de toute façon, quand même, ce masque-là, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est un masque Kwakwaka'wakw. Il réinterprète un masque Yupik, mais si vous regardez les mains,
si vous vous souvenez des mains, ça se trouve dans la tradition des Yupites, mais c'est également un motif qui se retrouve dans les masques Kwakwaka'wakw. Merci beaucoup. Et on parlait justement du fait que Riopelle lui-même, il nommait dans ses titres, par exemple, les artistes et les pratiques qui l'ont inspiré. Donc, lui, il rendait hommage vraiment à les artistes, aux artistes qui l'ont inspiré d'une façon directe, n'est-ce pas? C'est un des aspects très, très significatifs qui avait été et Andréan connaissait d'emblée, mais qui, moi, m'a impressionné, puis qui est évidemment dans l'exposition, c'est que la série des ficelles, c'est la seule production de Riopelle où il prend la liberté et qui fait le geste volontaire de donner un titre, de l'inscrire sur la face même de l'œuvre. Alors ça, c'est quand même très significatif de la sensibilité qu'il avait de s'assurer que le public qui allait voir les œuvres ne connaissait pas nécessairement ces motifs-là dans les années 70, à moins d'être un anthropologue, un ethnologue, un érudit, mais le public allait à ce moment-là voir à travers l'imaginaire de Riopelle, parce que c'est toujours à travers son imaginaire qu'il projette la source qu'il utilise, mais le titre est inscrit et pas en langue inuktitut, mais le titre, par exemple, tu saurais le dire mieux que moi, Andréane, ou Iseut, mais donc ces titres-là sont inscrits et la filiation avec les Inuits est automatique. Mm-hmm. Donc ça, c'est véritablement, comme tu l'as souligné, une façon d'honorer ces cultures-là, oui. Tout à fait, dès les années 70, alors que ça ne fait pas partie, évidemment, des enjeux qui vont être développés à partir des années 80, plutôt, aux États-Unis, dans le cadre des expositions où il y aura des œuvres autochtones, mais un discours plus critique et tout à fait justifié des autochtones face à la manière dont on les introduit dans les expositions. Merci beaucoup. Je pense que c'est une bonne note sur laquelle on pourrait terminer notre conversation. Merci infiniment et encore félicitations pour cette exposition. C'était pour moi vraiment un plaisir et un honneur de passer ce moment avec vous. Et merci à vous tous d'avoir partagé cette conférence virtuelle. Même si on ne vous voit pas, on est vraiment... on sait que vous êtes là et on est vraiment, vraiment contente. Merci pour votre engagement. Merci pour votre soutien au musée. On l'apprécie tellement et on a très hâte de vous retrouver ici dans les salles du musée. Merci beaucoup.